Bonjour, vous faites combien les jeux? Les jeux comme ça, vous les faites à combien? Intéressé pour le lot? Pas forcément, Non, mais bah après. après ça dépend du prix. Là-bas, je l'ai fait 5. Ah oui, d'accord. Un petit peu. Après, si vous êtes intéressé pour le lot, voilà. Ok, ça marche. Bon, je regardais. Et sinon, ceux-là, vous les faites à combien aussi? Je fais 3 euros, les deux pour 5. Ok, ça marche. C'est pas mal. Je vais prendre les deux là. Vous faites combien les trois du coup? Ça fait 8. Ouais. Ouais, ça fait 8. Ouais, ouais. Mais si veut l'eau de oui là, j'ai fait 2 euros le jeu. Ça fait 10. Ah, ça me fait. Ça reste pas 2 euros. Oui. Là, ça me débarrasse. C'est sûr. C'est sûr. Oui. 16, on est bon? Là on a dit 10. Ouais, 10 et là c'était 8. Non, parce qu'il y en a pris un de plus là. On en avait que 3 tout à l'heure. Ouais, c'était 5 et là, celui-là avec. Ah ouais, celui-là. Ah non, pardon, ouais, mais j'ai. Ça, disais, non, ouais. J'ai mis un en plus, oui, ouais, pardon, non, c'est excusez-moi. Ça, c'est ça. Franchement, c'est. Ouais, c'est désolé. Ça, ouais. Du coup, ça faisait 18, ça vous va? Ouais, c'est raisonnable, 18. Ouais, bon. C'est bon, hein. On essaie toujours. J'aime bien négocier, toujours. J'aime bien négocier. Ah, je vais pas le seul. Ouais. Putain, on dirait trop Mario. On dit trop Mario. Non. Je croyais que c'était Mario. Truc de ouf. Bonjour, c'est vous qui vendez là ou pas? Ok, ça marche. Bon, je reviens. Ça va? Ça va et toi? Bah bien. On te voit plus? Bah non, j'arrête. Ah ouais? Non, mais je me sacrifie au code. Ah ouais, c'est mieux. C'est mort, je peux pas tant que j'ai pas mon code. Ah ouais, bah. On va croiser les doigts pour qu'il y ait rapidement, hein? Sinon, ça serait un peu relou. Bon, ça marche. A plus. Bonjour. Bonjour. Vous faites combien là, oui? 40. 40. Et vous faites pas les jeux à part ou pas? Non, je fais le tout. Ok, ça marche. Merci beaucoup. 40. Tu veux vendre ça 40 ici? C'est impossible. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, vous faites combien les jeux? 2 euros. 30 celui-là. Voici. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Vous faites combien la manette?
Comment ? 50 centimes. 50 centimes, ok. Et, la, et l'autre, là, vous la faites à combien ? Celle-là ? 50 centimes. Ok. Moi, je me prends pas la tête. Ça marche, ok. Moi, je vais vous les prendre. Par contre... Non, l'hôtel, je l'ai vendu déjà. Je l'ai vendu la deuxième. Je suis pas sûr que vous ayez la monnaie sur 20 euros. Ouais, ouais, je suis relou, ouais. Ouais. Je vais vous la mettre. Ouais, ouais, ça marche. Vous voulez mettre de côté ? Ouais, je veux bien, ouais. Hop, tenez. Donc... Ouais, j'aurais pu m'avancer un peu plus. Merci, ouais, à tout de suite. C'est super, ça perd. Oh merde. Guillaume. Vous la faites à 10? Ok. Et tout là, parce que mon gamin n'en veut pas, alors... Ouais. C'est vraiment compliqué aujourd'hui. Et on l'a envoyé, ça n'est jamais servi. C'est neuf. Ouais. Ouais, 10 ça fait un. Comment vous envoyez ? J'aurais pris à 3 euros, mon frère. Hein ? J'aurais pris à 3 euros. Hein. 5. Mais 5. Pas moi. Franchement, c'est donné. Ça vaut 30 euros en magasin. Oui, non, mais c'est pas le. C'est pas grave. C'est pas le prix. 5 euros. Bon, allez, vas-y. Pour 5, je le prends. Ça marche. Le gamin qui est content. Oula. Ouais, j'ai pas plus petit. Attention, il y a un billet. C'est bon, j'arrive, j'ai le Attends. Ouais. Oh, pardon, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci. C'est au moins. Ouais, on a cassé le truc. Et voici. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous de même. Au revoir. Faites combien ça ? 2 euros, monsieur. Eh ben, je vais vous le prendre. Je sais que ça vaut le coup. Oui. Vous êtes un collectionneur. Ouais, on a une association de sauvegarde du jeu vidéo. Ah, trop top. Voilà. Du coup, ça. Et du coup, bah, ça bah complète. Ouais. Bah, oui. Bonne journée. Merci. Au revoir. Avant de commencer ce retour de Ville-Grenier, petit rendez-vous important ce week-end. Donc les dates sont ici, donc ce week-end uniquement, nous serons à Turteau, c'est en Normandie. Donc si vous êtes présents, on aura un stand à la Turteau Geek Convention. Donc si vous êtes dispo, eh bien, n'hésitez pas à passer nous voir. On aura le soutien de Nintendo avec les différentes bornes. On aura pas mal de bornes et de la collection de l'association Namco Show. Donc, si vous êtes bien placé niveau géographie, eh bien passez nous voir. Bref. On commence avec ce retour de Ville-Grenier. On est parti pour ce retour de Ville-Grenier et aujourd'hui on n'a pas trouvé grand chose. Malheureusement c'était un peu la dèche sur un seul Ville-Grenier. Donc bon, il était juste à côté, on a eu de la chance de le faire. On va commencer par une console qui est vraiment très très particulière. C'est une console chinoise, donc avec plein de jeux intégrés qui sont forcément très très pourris. Alors en général ce genre de truc ça marche une fois sur 20 000. Donc bon, la personne l'a vendait 10 euros, ça, franchement, tu l'achètes pas du tout 10 euros. Du coup, je l'ai récupéré pour 5 euros, ce qui est très cher, on va dire, pour ce genre de truc. Mais bon, je trouvais tellement rien que bah, je me suis dit, allez, vas-y, on tente le coup. Alors, what? Donc, il y a déjà un petit flingue, un petit pistolet. Et c'est un branchement manette pour la GameCube. What? C'est un branchement manette pour la GameCube. Alors là, il y a une autre manette aussi qui est vraiment dégueulasse. Hein, c'est vraiment un truc à vomir. Aussi avec un branchement manette GameCube.
Bon, on va essayer de voir si ça fonctionne dessus après, hein, je sais pas, dans une autre vidéo crash test. Et là, on a la console qui est en fait un pad arcade. Alors pourquoi pas, hein, ça peut être rigolo. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, les piles ont fui un petit peu dedans puisque bah, ça passe à travers les cache-piles. Donc, comment vous dire que là, ça va être compliqué de remettre ça en route. Hein. Là, visuellement, ça va pas être terrible. Alors, déjà, le joystick a l'air totalement moisi du cul. Ça se branche directement sur la télévision en RCA. Donc, à voir niveau qualité ce que ça donne. Bon, bah voilà. Voilà à quoi on peut s'attendre. Et bon, on verra si j'arrive à remettre tout ça en fonction. Ensuite, j'ai trouvé Midnight Club 3 Dude Edition pour 2€. C'est en version Platinum. Bon, c'est des petits jeux faciles à récupérer en général. Mais bon, pour l'état, 2€, je me suis dit, allez, vas-y, fais péter. Ça fait un petit jeu, voilà, à compléter dans la collection de la So Namco Show. Autre jeu pour 2€ seulement. Alors, celui-là, j'ai en version normale. Mais j'avais un doute aussi sur le Medal of Honor. Si je l'avais en édition Platinum comme ça. En tout cas, je l'ai prise les yeux fermés parce qu'elle était complète. Normalement, c'était 2€ chaque. Mais du coup, j'avais qu'un billet de 5 et j'ai dit, bah, la petite fille, vas-y, garde la monnaie. Tu t'achèteras, je sais pas, des pet shops avec. Il y a le Tamagotchi Connection Corner Shop 2. Je sais plus s'il était vendu en pack avec un Tamagotchi directement intégré dedans. Enfin, dans le pack, hein, je veux dire. Mais en tout cas, pour 2€. Enfin, 2,50€ du coup, il est complet, ça fait toujours plaisir, un petit jeu comme ça, bon, c'est vraiment les jeux que tu vas pas du tout acheter en temps normal, mais dans 10 ans, et eh ben, vas-y, va retrouver cette merde là, et eh bien, vas-y, lève-toi tôt le matin. Non, je plaisante, je sais pas. Sinon, un petit Inazuma Eleven Striker sur Wii. Alors après, c'est pas des jeux, voilà, qui sont très foufou à jouer, moi, en tout cas, c'est pas mon style, et surtout, avec le Club Nintendo intégré dedans, donc ça fait plaisir. Surtout que bah maintenant, pour avoir tout ça dans des bonnes conditions, c'est un peu compliqué à moins de 5-10€. Petit lot pour 5€, franchement, je trouve ça très honnête. Le lot que j'ai récupéré, alors vous allez voir, il y a du lambda, il y a du très commun et il y a du pourri dedans. Au départ, les jeux Wii étaient à 5€ l'unité, donc déjà tu te dis non direct, à part si tu as des bons titres dedans. Ensuite, les jeux PS3 étaient à 3€ chaque et au final, elle m'a fait un petit prix. Donc j'ai eu ces jeux, voilà, tous ces jeux-là pour 18€. Il y a Virtua Tennis 4 qui est complet. NBA 2K11 aussi complet, hein, voilà, maintenant je prends que du complet, à part si c'est des jeux, on va dire, très pas courants. Le Virtua Tennis 2009, voilà, en complet également. Le petit lot de jeux Wii, donc là elle m'a fait au final 2€ le jeu, ça faisait 12€, hein, 2, 4, 6, 8, 10, ah non, ça faisait 10€. Du coup, on a un petit jeu chelou, Carnium Kabuki, bon, en complet. Le Anna Montana, franchement, voilà, un petit jeu des familles qui fait vraiment plaisir. Non, je déconne, hein, c'est de la merde. Ensuite, un Samba de Amigo, version Wii. Alors, j'ai trouvé le pack complet dans cette vidéo ici, mais j'ai des sets de Samba de Amigo, donc les maracas, qui ne sont pas avec les jeux. Voilà, donc du coup, ça va compléter mon set de Samba de Amigo. On continue avec le My Sims Agent. Quoi dire de plus? La boîte est complète. Tac, les notices, c'est à l'envers. La boîte est complète, donc ça fait plaisir aussi. Et sinon, le Cocoto Magic Circus. Un jeu que je possède déjà, mais en jouable, ça peut être très sympathique. Surtout qu'il y a le petit pistolet qui va avec, hein, avec la Wiimote que tu insères dedans et tout ça, machin. Je sais, ça fait un peu cher, mais bon, sur le coup, je me suis dit, ah, je suis sûr de pas trouver grand-chose là-dedans. Autant récupérer un lot. Après, je crois qu'elle a tout revendu, le lot PS3 pour 25€. Ma mère a entendu ça, donc bon. Bon, vu ce qui restait, c'était pas foufou. Ouais, il y avait 2-3 titres intéressants, mais bon, sans plus. Et ensuite, dernier lot, où là, je suis vraiment très content parce que c'est un bon prix. Même si, vous allez voir, il y en a une qui n'est pas officielle. On va commencer avec cette manette officielle Nintendo Wii que tu pouvais connecter à une Wiimote pour bien jouer au jeu, on va dire, console virtuelle ou
certains jeux qui étaient très très peu mis en avant par Nintendo au niveau de la jouabilité de cette manette là. C'est une des premières manettes que j'avais récupérées, mais avec la console à la base. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Autre manette récupérée dans ce lot aussi, eh bien c'est une fausse manette de Xbox 360. Elle est filaire, donc c'est pour ça que je l'ai prise en fait. Et puis en même temps, pour 50 centimes, voilà, je peux me tromper si elle ne fonctionne pas. Donc c'est une manette chinoise qui est totalement fake. Mais voilà, c'est une belle imitation de manette fake. Pourquoi pas pour les events ou autres, ou même pour jouer à la maison. Bref, je verrai si elle fonctionne bien dans le crash test qui arrive prochainement sur la chaîne YouTube. Malgré tout, on n'a pas trouvé de choses très très intéressantes dans ce vide-grenier. Mais bon, sur un vide-grenier, repartir avec des petits jeux sympas, voilà, qui complètent le full set de toute l'association Mkocho, pourquoi pas, ça fait plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association Mkocho. Si c'est déjà le cas, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir. Et sinon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, même si c'est des jeux pas foufou, hein. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et croyez-moi, ça arrive prochainement. Laissez des pouces bleus sur cette vidéo et nous. Et pour nous aider, je suis fatigué.